Eh bien, salut tout le monde, c'est XRouge et on se retrouve pour cette fois-ci mon tout premier let's play. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous tenir pendant toutes ces petites vidéos. Voilà, donc je vais un peu poser les bases. Le let's play sera fait, autrement dit, en petite vidéo que je couperai à chaque fin de tableau, tout simplement. Je fais juste une petite escale. D'accord, ouais, bon, je suis à 53. Mais écoutez, vous savez quoi? Je vais le recommencer du début, comme promis. Et puis voilà, pour un let's play, j'ai pas envie de faire un truc de sérieux. J'ai l'habitude de présenter des vidéos et tout. Et là, j'ai envie de dire, merde, quoi. Voilà, on va se lâcher, on va faire un truc tranquille. Parce que voilà, si vous devez m'accompagner tout au long de Crash Bandicoot 1, 2 et 3, comme je vous l'ai promis. Franchement, j'ai pas envie de vous foutre le cafard à regarder mes vidéos sans rien, etc. Enfin bref, voilà. Donc voilà, le let's play, comme je vous ai dit, vous allez m'accompagner tout au long de Crash Bandicoot. Et là, pour l'instant, c'est Crash Bandicoot 1. Donc voilà, nous arrivons pour le tout premier tableau à Sanity Beach. Et donc voilà, on va retrouver Crash avec la fameuse, enfin, une toute petite intro là, de 3 secondes, comme vous pouvez le voir. Voilà, il accoste au bout d'une plage. Des vidéos sur Crash Bandicoot, j'en avais déjà faites, enfin, j'en avais fait une, c'était sur mon compte de Dailymotion à l'époque, donc ça remonte assez, ça doit faire déjà au moins plus d'un an minimum. Donc vous voyez que l'écran est un petit peu plus rétréci pour tout ce qui va être, enfin, si vous, quand vous regarderez la vidéo, c'est normal, je l'ai acheté qu'est-ce qu'il fait? Ok. En HD, en HD collection, donc du coup, donc voilà, en HD collection, donc voilà, c'est pour ça qu'il a ce format-là. Voilà. Donc, bon, mais Crash Bandicoot, inutile de vous le dire, hein. Enfin bon, pour ceux qui connaissent pas, j'explique vite fait, voilà, c'est... Quand je m'en écoute, c'est le petit animal qui doit sauter sur des caisses, enfin les caisses qui sont rayées, il faut sauter dessus, les autres il faut tourbillonner dessus, voilà, il n'a que deux attaques, le saut et le tourbillon. On n'est pas encore à l'époque du bazooka à pomme, enfin donc, voilà, ce sera que à partir du troisième volet. Enfin bref, nous avons AQAQ, le masque de Crash Bandicoot. Voilà, une fois récupéré 3 fois, il deviendra invincible. C'est assez cool, ma foi. Enfin bref, au bout de 100 pommes récoltées, vous aurez une vie, enfin une tête de Crash. Voilà, et à chaque fois que vous mourrez, vous perdez une tête. Ce qui est pas cool, quoi, parce que vous perdez une vie tout simplement. Et là, je viens de me faire niquer mon masque, mais. J'ai pu faire un kill, enfin un double, en fait. Vous avez vu, le crabe est parti sur l'autre au fond. Et je récupère AQAQ, c'est parfait, c'est magnifique. Enfin, bref, voilà. En tout cas, ça me fait bien plaisir d'avoir un nouveau projet, quoi, en fait, pour d'autres vidéos. Ça me permet un petit peu de vous tenir en attente le temps que je fasse d'autres vidéos, comme je vous l'ai précisé sur mon réseau social. Et puis en même temps, voilà, garder contact avec vous, avoir deux trois nouvelles de vous, mes chers auditeurs, pour ensuite, voilà, garder le contact tout simplement. Checkpoint, j'aime ça. Donc voilà, AQAQ en doré, nous l'avons 2 fois. Au prochain coup, je serai invincible, qui sait. Hop là. Bref, Crash Bandicoot 1, bon, ben, vous le savez tous, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est la base, c'est le jeu plateforme. Bon, il a bien sûr d'autres concurrents. Je veux bien sûr parler de Jak et Dexter ou Ratchet et Clank, bon, qui sont sortis un petit peu après. Mais bon, voilà, Crash Bandicoot pour moi, ça a été le jeu de mon enfance. Enfin bon, ceux qui sont nés dans les années 90, qui ont commencé par la PlayStation 1, comme pour ma part, quoi, tout simplement. Eh bien, gauche, droite, gauche, droite. Ah ouais, voilà. Les questions politiques commencent à arriver. Non, je déconne. Je sais pas, mais... Il y a un papillon à droite. Alors, ça sent bon à droite. Alors, je vais à gauche. Voilà, parfait. Donc, du coup... bref, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, pour ceux qui sont nés dans les années 90, pour ma part, voilà, ben, c'est un petit peu les jeux qui ont bercé notre enfance, notamment aussi avec la génération Nintendo, aussi avec Pokémon, bien sûr, voilà, Crash et Pokémon, ça a été un petit peu les deux jeux de mon enfance. Enfin, bref, de toute façon, nous sommes ensemble pour un bon petit moment maintenant, vous et moi, et comme je vous ai dit, je coupe mes vidéos à chaque fin de tableau avant de reprendre un nouvel épisode. Voilà, donc, eh bien...
si je poste, oui, je pense que je vais faire ça. Je vais faire plusieurs vidéos là pendant un petit moment là d'affilée. Enfin bref, je vous retrouve de suite pour un nouveau tableau de Crash. À de suite tout le monde. Enfin, il faudrait que je finisse par ah ciao, mais bon là je vais le faire un petit peu trop de fois, donc je vais dire à de suite tout simplement. Allez.